Nous avons terminé la phase de conception, de montage du projet. Nous allons maintenant pouvoir passer à l'exécution, la réalisation. Donc, nous verrons le pilotage, l'utilisation des indicateurs, quelques éléments sur le suivi des risques, l'analyse des écarts. Et puis, nous verrons également la phase de clôture du projet à travers le bilan qui s'appelle le post-mortem alors le pilotage est-ce essentiellement une mise à jour c'est ce que nous allons voir piloter un projet qu'est-ce que c'est eh bien c'est essentiellement vérifier que on est sur la bonne route sur la bonne trajectoire pour arriver au livrable final jusque là c'est simple mais ce que l'on va faire c'est que l'on va réutiliser les outils que l'on a mis au point lors de la phase de montage et suivre l'avancement grâce à eux. Alors qu'est-ce que je veux dire Au tout début, vous avez établi un cahier des charges. Sur ce cahier des charges, vous pouvez suivre au fur et à mesure de l'avancement du projet les fonctions qui sont livrées. Vous avez réparti le travail en lots. Et donc en suivant le pourcentage d'avancement de chaque lot, vous pouvez piloter le projet. De même, le Gantt, c'est le calendrier du projet. Il suffit de comparer ce qui est réalisé par rapport à ce qui avait été prévu à chaque date. Et puis le budget permet aussi un suivi, par exemple à travers le pourcentage du budget qui a été consommé. Donc on le voit, la première chose à laquelle il faut penser quand on fait du pilotage, c'est à revenir sur la phase de conception du projet. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce que l'on voit très fréquemment dans les projets, c'est qu'on fait un beau montage, et puis lorsqu'on est en phase d'exécution, on oublie complètement de remettre à jour tous les outils, tous les documents que, sur lesquels on avait travaillé. Autre point très important, un bon chef de projet, c'est quelqu'un qui est proactif, c'est-à-dire qu'il est en permanence tourné vers l'avenir et il essaie d'anticiper les problèmes au lieu d'avoir à les subir. Les indicateurs, qu'est-ce que c'est Eh bien l'idée, c'est que l'on peut faire un tableau de bord de projet en essayant de définir un certain nombre de points de contrôle qui permettent de mesurer son succès. Si vous voulez en savoir plus, je vous recommande de suivre la formation à l'évaluation de projet. Autre élément de pilotage, la gestion des risques. De quoi s'agit-il Je vous montre rapidement un diagramme de gestion des risques. On va inventorier, identifier les risques et les classer selon deux axes leur probabilité et leur gravité et donc c'est à partir de là que on va pouvoir procéder le mieux possible à la gestion de ces risques. Si vous voulez en savoir plus, c'est simple, suivez la formation gestion des risques, le module gestion des risques qui vous est proposé. Autre question, comment faire les bons choix Vous vous souvenez dans le Premier cours, je vous ai dit que ce qui était compliqué avec les projets, c'était de faire des choix au début du projet lorsqu'on avait peu d'informations. Donc, faire les bons choix, c'est comme se retrouver à la croisée des chemins. On est bien conscient en fait qu'il faut bien réfléchir avant de choisir. Comment faire Eh bien, voici un exemple d'outil que vous pouvez utiliser. Il s'agit d'une matrice de décision. Vous voulez en apprendre plus sur une matrice de décision Eh bien, à ce moment-là, ce que je vous propose, pour essayer de déterminer le bon choix, c'est de suivre le chapitre 4 de la formation au brainstorming. Maintenant, parlons de l'analyse des écarts. Le principe, donc, c'est que lors de la phase de conception du projet, on a fait des prévisions. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la réalité, on n'arrive jamais à prévoir exactement ce qui se passe. Et donc, il y a des écarts entre le prévu et le réalisé. Donc, c'est le cycle du PDCA, on planifie, on réalise l'action, et puis on contrôle. Il y a toujours une différence entre ce que l'on avait prévu et ce que l'on vérifie, c'est pour ça qu'il faut ajuster. Le principe de base en analyse des écarts, c'est qu'il faut être honnête. Donc il faut rechercher la cause des écarts. Est-ce que c'est un manque de temps disponible Est-ce que c'est un manque de formation ou de compétences Est-ce que c'est les outils qui étaient utilisés qui ne sont pas adaptés Est-ce que c'est un problème de motivation ou de management Est-ce que c'est des objectifs qui ont été mal fixés En tout cas, il faut être honnête hein, sans chercher à condamner les gens, mais faire un diagnostic. Ensuite, ces écarts, il va falloir les surmonter. Pour cela, commençons par être positifs, regardons ce qui a été fait, et puis replanifions de manière plus réaliste. Par exemple, on va découper en lots plus simples à gérer, on va reprendre des objectifs vraiment smart, donc bien définis. Si on a des points durs, on va faire de la résolution des problèmes. Alors, si la résolution des problèmes vous intéresse, hein, vous voyez ici le cycle en quatre étapes, eh bien, je vous conseille de suivre la formation aux méthodes de résolution de problèmes. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous n'atteignez pas l'un de vos objectifs et que vous n'avez pas analysé pourquoi, soit que vous ne savez pas pourquoi, soit que vous n'osez pas en parler, eh bien, vous avez un gros, gros problème. Donc, objectif non atteint plus cause non analysée égale tête de mort. Donc, vous êtes prévenu. Si vous commencez à faire de la gestion de projet et que vous avez des écarts, c'est normal. Mais si vous ne comprenez pas pourquoi ou si vous n'arrivez pas à les trouver, là, vous avez un problème. Un dernier point maintenant, c'est la phase de clôture. Donc, après, dans la suite du projet, on va livrer le résultat au client. Et puis, on va aussi faire une dernière réunion avant de dissoudre l'équipe. C'est la réunion de post-mortem. Le but, c'est de ne pas terminer le projet sans faire un bilan. Donc, on va essayer de tirer les leçons du projet avant de se séparer. Donc, on organise une dernière réunion d'équipe. On peut organiser un petit apéritif. Et à ce moment-là, on va quand même travailler. Donc on envoie à l'avance une série de questions que vous trouverez ici. Par exemple, au final, est-ce que vous êtes content de ce projet, le résultat, la manière de l'atteindre, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est amélioré, quelle a été pour vous la partie la plus problématique et la partie la plus gratifiante. Si vous pouviez changer quelque chose et améliorer les choses la prochaine fois, comment feriez-vous donc on le voit, c'est très important à la fin d'un projet de pouvoir faire un bilan. À ce moment-là, en général, on n'est plus décontracté car on a fini, on a réussi. Et donc, c'est le moment de s'améliorer. Pour terminer, je vais vous proposer quelques questions et quelques réflexions. Donc pour cela, je vous propose de prendre la suite du projet que vous aviez défini au chapitre 1. Et mon conseil maintenant, c'est eh bah ben, Réaliser le projet. Donc, vous le savez, pour ce format à la gestion de projet, on peut suivre des cours, mais rien ne vaut ensuite la mise en application sur le terrain. Ce que je vous propose, bien sûr, pour terminer ce chapitre, c'est de suivre le quiz qui est situé sous cette vidéo, et puis de me suivre dans la conclusion que je vais vous proposer.